parce que là, il est en train de vraiment progresser. Il est en train de faire des choses intéressantes au Portugal, dans un championnat européen. Il n'est pas juste dans la participation, ça devient même un titulaire à part entière d'une équipe de première division. À 20 ans, 21 ans, Mesh Sehel, en sortant du championnat d'Algérie. Il a marqué des buts, il a fait des passes décisives, il a joué contre des équipes de Ligue des Champions. Je peux vous en dire encore plein. Et c'est un joueur qui a de la qualité. Il est là dans ce groupe-là, avec une idée surtout d'observation au sein de nos joueurs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va jouer. Allah Alem encore, il y a encore une étape à passer. Il y a plein de joueurs qui ont fait ça, qui sont venus en équipe nationale dans le gros groupe, en regroupement, et qui n'ont peut-être pas joué, mais que je veux voir de mes propres yeux. Il ne va pas être le seul dans cette situation. Il y a pas mal de joueurs sur ce regroupement, je l'ai dit depuis longtemps, qui ne vont pas jouer. Mais en tous les cas, pour parler de lui, il a montré de très belles choses. Et à son poste, lui, il a eu beaucoup de temps de jeu avec son club. Contrairement à d'autres qui, si vous observez, si vous avez ce travail d'observation, et beaucoup de nos joueurs qui n'ont pas beaucoup joué entre la dernière date FIFA et celle-là, beaucoup n'ont pas beaucoup. Par exemple, Badreddine Bouanani n'a pas beaucoup joué, il n'a quasiment pas joué entre les deux dates. Tandis que voilà, un Béchir, il a beaucoup joué, il progresse, c'était cette convocation.